David Assouline, là, on voit cette initiative de la mairie d'arrondissement, mais est-ce que l'État fait assez pour venir en aide aux étudiants ? Moi, je pense que non, et je pense que ça devient le problème majeur de notre pays. Il faut regarder devant. Hein. Bon, on peut regarder aussi le présent, on les voit. Mais devant ce que ça va donner, c'est une crise sans précédent. Il faut aimer sa jeunesse. C'est elle qui nous sortira de tout. Et c'est elle qui va vivre demain. C'est pour cela que la question de l'écologie était devenue si centrale. C'est le monde dans lequel ils vont vivre. Et la jeunesse, ça ne concerne pas que les jeunes. Vous parlez avec des papis et des mamies, ils sont prêts à beaucoup de choses pour que la jeunesse, pour que leurs petits-enfants puissent vivre correctement. Et là, on voit toutes les hypocrisies du système s'effondrer. C'est quoi l'hypocrisie ? Les étudiants qui sont déjà parmi les plus aisés pour arriver aux études, hein, parce que vous savez très bien qu'on a écrémé, qu'il y a très très peu d'enfants d'ouvriers, d'employés qui arrivent à l'université. Mais il y a quand même une massification, il y a du monde déjà là. On a conçu qu'ils pouvaient vivre s'ils travaillaient. Donc, études ou travail. Mais on a fermé les yeux. Là, il n'y a plus de boulot, il n'y a plus de petit boulot, il n'y a plus rien. Ça s'effondre. Et donc, il y a voilà, tous ces gosses qui ne sont pas des gosses de pauvres, hein, n'ont pas de quoi manger et sont dans une détresse psychologique. Alors, il faut de l'aide psychologique. Il faut arrêter avec les numéros verts, tous les gadgets du gouvernement. Et puis, il faut un minimum. Voilà que revient cette question d'un RSA de 18-25 ans qui n'est pas une aumône, qui est un revenu de base pour pouvoir subvenir au minimum de besoins et donc déjà se nourrir, se soigner, se transporter. Donc je pense que là, il y a un vrai chantier. Puis le gadget qu'on nous sort, qui est vraiment une conception de la société, grande idée de M. Guérini, le patron de La République En Marche, on a compris que les jeunes vont mal, on va leur prêter 10 000 euros. Bon, et donc on va les endetter dès le début. Alors qu'on pourrait dire que oui, on les dote, on fait une dotation au capital à tout jeune, à partir de 18 ans, de 5 000 euros, qui lui permet de pallier un certain nombre de difficultés ou d'accidents. Ça, oui, enfin, les endetter dès le début, c'est n'importe quoi.